Quand on est arrivé dessus, on a eu l'information qui a été confirmée par nos instruments, comme quoi il y avait effectivement 3 avions. C'est donc 3 avions qui décollaient de Kaliningrad et qui faisaient le transit sur au large des Pays-Baltes. Notre mission qu'on a ici, c'est d'y aller pour vérifier que, effectivement, ils font juste un transit et qu'ils n'aient pas une autre attention. Ils n'ont pas les mêmes capacités au niveau des moyens aériens que d'autres pays de l'OTAN. Eh bien, la France participe à cette mission de souveraineté de leur espace aérien national. Depuis la base aérienne de Šiauliai en Lituanie, c'est une autre facette de la guerre en Ukraine qui se joue.